Les martyrs de Palestine, d'Eusèbe de Césarée. C'est, en la 19e année du règne de Dioclétien, au mois de Zanctigue, appelé avril par les Romains, à peu près au moment de la fête de la Passion de notre Sauveur, alors que Flavien était gouverneur de la province de Palestine, que des lettres furent publiées partout, ordonnant que les églises soient rasées et les écritures détruites par le feu, et ordonnant que ceux qui occupaient des places d'honneur soient dégradés, et que les domestiques, s'ils persistaient dans la profession de chrétiens, soient privés de liberté. Telle était la force du premier édit contre nous. Mais, peu de temps après, d'autres lettres ont été publiées, ordonnant que tous les évêques des églises du monde entier soient d'abord jetés en prison, et ensuite, par tout artifice, obligés de sacrifier. Chapitre 1. Le premier des martyrs de Palestine fut Procope, qui, avant d'être jugé, dès sa première comparution devant le tribunal du gouverneur, ayant reçu l'ordre de sacrifier au soi-disant Dieu, déclara qu'il n'en connaissait qu'un seul à qui il convenait de sacrifier, comme il le voulait lui-même. Mais, lorsqu'on lui ordonna d'offrir des libations aux 4 empereurs, après avoir cité une phrase qui leur déplaisait, il fut immédiatement décapité. La citation était du poète, « La règle du plus grand nombre n'est pas bonne, qu'il y ait un seul souverain et un seul roi. » C'était le 7e jour du mois de Décius, le 7e avant les ides de juin, selon les Romains, et le 4e jour de la semaine, lorsque ce premier exemple fut donné à Césarée en Palestine. Par la suite, dans la même ville, de nombreux dirigeants des églises de campagne endurèrent volontiers de terribles souffrances et fournirent aux spectateurs un exemple de nobles combats. Mais d'autres, affaiblis dans leur esprit par la terreur, ont été facilement abattus dès le début. Parmi les premiers, chacun a subi différentes formes de torture, comme des flagellations sans nombre, des coups de fouet, des déchirures sur les côtés et des entraves insupportables qui ont entraîné la dislocation des mains de certains. Pourtant, ils ont enduré ce qui leur est arrivé, comme en accord avec les desseins impénétrables de Dieu. Car les mains de l'un d'eux furent saisies, et il fut conduit à l'autel, tandis qu'ils lui jetèrent dans la main droite l'offrande souillée et abominable, et il fut renvoyé comme s'il l'avait sacrifié. Un autre n'y avait même pas touché, et pourtant, quand d'autres disaient qu'il avait sacrifié, il s'en allait en silence. Un autre, pris à moitié mort, fut écarté comme s'il était déjà mort, et libéré de ses liens, et compté parmi ceux qui avaient sacrifié. Lorsqu'un autre s'est écrié et a témoigné qu'il ne voulait pas obéir, il a été frappé de la bouche et réduit au silence par une large bande de ceux qui avaient été rassemblés dans ce but et chassés par la force, même s'ils n'avaient pas sacrifié. Ils voulaient faire croire qu'ils avaient réussi. Par conséquent, de tout ce nombre, les seuls qui furent honorés de la couronne des saints martyrs furent Alphée et Zachée, après avoir été rayés, égratignés, liés, sévèrement torturés à nouveau et soumis à diverses autres épreuves, et après avoir eu les pieds étendus nuit et jour sur 4 trous dans les ceps, et le 17e jour du mois de Dios, ce qui est chez les Romains le 15e avant les calendes de décembre, ayant confessé un seul Dieu et le Christ Jésus comme roi, comme s'ils avaient proféré un blasphème, ils furent décapités comme le premier martyr. Chapitre 2. Ce qui est arrivé à Romains, le même jour à Antioche, est également digne d'être consigné, car il était originaire de Palestine, diacre et exorciste dans la paroisse de Césarée, et étant présent lors de la destruction des églises, il vit beaucoup d'hommes, avec des femmes et des enfants, monter en foule vers les idoles et faire des sacrifices. Mais, par son grand zèle pour la religion, il ne pouvait pas supporter cette vue et les réprimandait d'une voix forte. Arrêté pour son audace, il s'est révélé être un témoin de la vérité des plus nobles, s'il en est. En effet, lorsque le juge l'informa qu'il allait mourir par le feu, il reçut la sentence avec un visage joyeux et un esprit très prêt, et fut emmené. lorsqu'il fut lié au bûcher, et que le bois s'empila autour de lui. Alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'empereur avant d'allumer le feu, il s'écria « Où est le feu pour moi ?» Cela dit, il fut de nouveau convoqué devant l'empereur, et soumis à la torture inhabituelle de se faire couper la langue. Mais il a enduré cela avec force, et a montré à tous par ses actes que la puissance divine est présente avec ceux qui endurent n'importe quelle épreuve pour le bien de la religion, allégeant leurs souffrances et renforçant leur zèle. Lorsqu'il apprit ce mode de punition étrange, le noble homme ne fut pas terrifié, mais il sortit sa langue avec empressement et l'offrit avec la plus grande rapidité à ceux qui la lui coupèrent. Après ce châtiment, il fut jeté en prison et y souffrit très longtemps. Enfin, à l'approche du 20e anniversaire de l'empereur, lorsque, selon une coutume gracieuse établie, la liberté fut proclamée partout, à tous ceux qui étaient enchaînés, lui seul eut les deux pieds étendus sur 5 trous dans les ceps, et pendant qu'il gisait là, il fut étranglé, et fut ainsi honoré du martyre comme il le souhaitait. Bien qu'il fût hors de son pays, et pourtant, comme il était originaire de Palestine, il convient de le compter parmi les martyrs palestiniens. C'est ce qui s'est passé la première année, lorsque la persécution n'était dirigée que contre les dirigeants de l'Église. Chapitre 3. Au cours de la deuxième année, les persécutions à notre encontre se sont fortement accrues. Et, à l'époque où Urbain était gouverneur de la province, des édits impériaux lui furent d'abord délivrés, ordonnant par un décret général que tout le peuple devait sacrifier en même temps dans les différentes villes et offrir des libations aux idoles. À Gaza, une ville de Palestine, Timothée a subi d'innombrables tortures et a ensuite été soumis à un feu lent et modéré. Ayant donné, par sa patience dans toutes ses souffrances, la preuve la plus authentique de sa piété sincère envers la divinité, il a emporté la couronne des athlètes victorieux de la religion. En même temps, Agapus et notre contemporain Thècle, ayant fait preuve de la plus noble constance, furent condamnés comme nourriture pour les bêtes sauvages. Mais qui n'aurait pas admiré ces choses, ou qui n'en aurait pas été étonné s'il en avait entendu parler par des rapports? Car, lorsque les païens du monde entier organisaient une fête et les spectacles habituels, on rapportait à l'étranger qu'en plus des autres divertissements, il y avait aussi le combat public de ceux qui avaient été récemment condamnés aux bêtes sauvages. La rumeur augmentait et parvenait à tous. 6 jeunes gens, dont l'un était du Pont par sa race et se nommait Timolaüs, l'autre était de Tripoli de Phénicie et s'appelait Denis, un autre, sous-diacre de l'église de Diospolis, Romulus était son nom. De plus, 2 étaient égyptiens, Païsis et Alexandre. Puis, un autre Alexandre, homonyme de celui-ci, était de Gaza. Ayant d'abord lié leurs propres mains, se rendirent en hâte chez Urbain, qui était sur le point d'ouvrir le spectacle, témoignant d'un grand zèle pour le martyr. Ils ont avoué qu'ils étaient chrétiens, et par leur ambition pour toutes les choses terribles, ont montré que ceux qui se glorifient dans la religion du Dieu de l'univers ne se recroquevillent pas devant les attaques des bêtes sauvages. Aussitôt, après avoir créé un étonnement peu ordinaire chez le gouverneur et ceux qui étaient avec lui, ils furent jetés en prison. Au bout de quelques jours, 2 autres s'y ajoutèrent. L'un d'entre eux, nommé Agapus, avait dans ses anciennes confessions enduré de terribles tourments de toutes sortes. L'autre, qui leur avait fourni le nécessaire pour vivre, s'appelait Denis. Tous ces 8 furent décapités en un seul jour à Césarée, le 24e jour du mois de Distre, qui se trouve être le 9e avant les calendes d'avril. Entre-temps, un changement d'empereur s'est produit. Le premier des empereurs, qui était supérieur à tous, et celui qui tenait le second rang, après lui, sont passés à la situation d'homme privé. Et les affaires publiques ont commencé à être troublées. Peu après, le gouvernement romain se divisa contre lui-même, et une guerre cruelle s'éleva entre eux. Et cette division avec les troubles qui en découlaient, ne fut pas réglée tant que la paix à notre égard n'avait pas été établie dans tout l'Empire romain. Car, lorsque cette paix s'est installée pour tous, comme le jour après la nuit la plus sombre et la plus lugubre, les affaires publiques du gouvernement romain ont été rétablies et sont devenues heureuses et pacifiques. Et la bonne volonté ancestrale, les uns envers les autres, a été ravivée. Mais nous reviendrons plus en détail sur ces questions en temps voulu. Revenons maintenant au cours normal des événements. Chapitre 4. Maximin César était venu à cette époque au gouvernement, comme pour manifester à tous l'épreuve de son inimitié innée contre Dieu et de son impiété. Il s'est armé pour la persécution contre nous plus vigoureusement que ses prédécesseurs. Sur tous, en vérité, plane un trouble immense. Chacun se disperse de son côté et met son soin à éviter le malheur. Une agitation pénible a tout envahi. Mais quel mot suffirait pour décrire convenablement l'amour divin et l'audace? En confessant Dieu, de l'agneau béni et vraiment innocent, je me réfère au martyr Aphanius, qui présenta aux yeux de tous, devant les portes de Césarée, un merveilleux exemple de piété envers le Dieu unique. Il n'avait pas encore 20 ans à l'époque, il avait d'abord passé beaucoup de temps à Bérite, pour recevoir une éducation grecque, classique, car il appartenait à une famille très riche. Il est merveilleux de raconter comment, dans une telle ville, il était supérieur aux passions de la jeunesse et s'accrochait à la vertu, sans être corrompu, ni par sa vigueur corporelle, ni par ses jeunes compagnons, vivant discrètement, sobrement et pieusement, en accord avec sa profession de la doctrine chrétienne. S'il est nécessaire de mentionner son pays natal et de lui faire honneur en produisant ce noble athlète de piété, nous le ferons avec plaisir. Si quelqu'un connaît Gaza, ville de Lycie, c'est de là qu'est venu ce jeune homme. Après son retour de ses études à Bérite, bien que son père ait occupé la première place dans son pays, il ne pouvait plus supporter de vivre avec lui et ses proches, car il ne leur plaisait pas de vivre selon les règles de la religion. C'est pourquoi, comme s'il était guidé par l'esprit divin, et conformément à une philosophie naturelle, ou plutôt inspirée et vraie, considérant cela préférable à ce qui est considéré comme la gloire de la vie, et méprisant les conforts corporels, il a secrètement quitté sa famille. Et à cause de sa foi et de son espérance en Dieu, ne prêtant aucune attention à ses besoins quotidiens, il fut conduit par l'Esprit divin à la ville de Césarée, où lui fut préparée la couronne du martyr pour la piété. Demeurant avec nous là-bas, et conférant avec nous dans les Écritures divines, avec diligence pendant un court moment, et s'adaptant avec zèle par des exercices appropriés. Il a fait preuve d'une fin telle qu'elle étonnerait quiconque le reverrait. Qui, à l'entendre, n'admirerait pas à juste titre son courage, son audace, sa constance, et plus encore l'acte audacieux lui-même, qui témoignait d'un zèle pour la religion et d'un esprit vraiment surhumain. En effet, lors de la deuxième attaque contre nous, sous Maximin, la troisième année de la persécution, des édits du tyran furent publiés pour la première fois, ordonnant que le dirigeant des villes veille avec diligence et rapidité à ce que tout le peuple offre des sacrifices. Dans toute la ville de Césarée, sur ordre du gouverneur, les héros convoquaient les hommes, les femmes et les enfants au temple des idoles. Et en plus de cela, les chiliarques appelaient chacun par son nom, à partir d'une liste, et une immense foule de méchants se précipitait de tous les côtés. Puis, ce jeune homme, sans crainte, alors que personne ne connaissait ses intentions, nous a échappé, à nous qui vivions dans la maison avec lui, et à toute la bande de soldats qui entourait le gouverneur. Il s'est précipité vers Urbain, alors qu'il offrait des libations, et l'a saisi sans crainte par la main droite, a aussitôt mis un terme à ses sacrifices, et avec une certaine inspiration divine, l'a habilement et avec persuasion, l'a exhorté à abandonner son illusion, car il n'était pas bon d'abandonner le seul et unique vrai Dieu, et de sacrifier aux idoles et aux démons. Il est probable que cela a été fait par le jeune homme, par l'intermédiaire d'une puissance divine, qui l'a conduit en avant et qui a pratiquement crié à haute voix, dans son acte, que les chrétiens qui étaient vraiment tels étaient si loin d'abandonner la religion du Dieu de l'univers, qu'ils avaient jadis épousée, qu'ils étaient non seulement supérieurs aux menaces et aux punitions qui s'ensuivaient, mais encore plus audacieux, pour parler avec une langue noble et sans entrave, et si possible, pour appeler même leurs persécuteurs à se détourner de leur ignorance et à reconnaître le seul vrai Dieu. Sur quoi, celui dont nous parlons, et cela instantanément, comme on pouvait s'y attendre après un acte aussi audacieux, a été déchiré par le gouverneur et ceux qui étaient avec lui, comme par des bêtes sauvages. Et, après avoir subi d'innombrables coups sur tout son corps, il fut aussitôt jeté en prison. Là, le bourreau l'étendit les deux pieds dans les ceps, pendant une nuit et un jour, et le lendemain, il fut amené devant le juge. Ensuite, pendant qu'on le contraignait à sacrifier, il fit voir une absolue fermeté d'âme dans des tourments et des souffrances qui font frémir. Ses flancs furent déchirés, non pas une ni deux, mais plusieurs fois, jusqu'aux os et aux entrailles. Et il reçut tant de coups au visage et au cou que ceux qui le connaissaient bien depuis longtemps ne purent reconnaître son visage. Mais comme il ne voulait pas céder sous ce traitement, les tortionnaires, sur ordre, lui couvrirent les pieds avec des linges trempés dans l'huile et y mirent le feu. Aucun mot ne peut décrire les souffrances que le bienheureux a endurées à cause de cela, car le feu consuma sa chair et pénétra jusqu'à ses os, de sorte que les humeurs de son corps fondirent, suintèrent et tombèrent comme de la cire. Pourtant, malgré cela, il ne fléchissait pas, et ses adversaires, vaincus et incapables de comprendre sa constance surhumaine, le jetèrent à nouveau en prison. Une troisième fois, il fut amené devant le juge. Et ayant été témoin de la même profession, étant à moitié mort, il fut finalement jeté dans les profondeurs de la mer. Mais ce qui s'est passé immédiatement après ne sera guère cru par ceux qui ne l'ont pas vu. Bien que nous en soyons conscients, nous devons néanmoins enregistrer l'événement dont, pour parler franchement, tous les habitants de Césarée ont été témoins, car aucun âge n'a été privé de ce spectacle merveilleux. Car, dès qu'ils eurent jeté cette jeunesse vraiment sacrée et trois fois bénie dans les profondeurs insondables de la mer, une agitation et un trouble peu communs agitèrent la mer et tout le rivage autour d'elle, de sorte que la terre et toute la ville en furent ébranlées. Et, en même temps que cette perturbation merveilleuse et soudaine, la mer jetait devant les portes de la ville le corps du divin martyr, comme si elle était incapable de la supporter. Telle fut la mort du merveilleux Aphanius. Elle se produisit le deuxième jour du mois de Zanctig, qui est le quatrième jour avant les nonnes d'avril, le jour de la préparation. Chapitre 5. À peu près à la même époque, dans la ville de Tyr, un jeune homme nommé Ulpien, après d'épouvantables tortures et des flagellations des plus sévères, fut enfermé dans une peau de bœuf brut, avec un chien, et avec un de ces reptiles venimeux, un aspic est jeté à la mer. C'est pourquoi je pense que nous pouvons le mentionner, à juste titre, en relation avec le martyr d'Aphianos. Peu après, Adécios, un frère d'Aphianos, non seulement en Dieu, mais aussi dans la chair, étant un fils du même père terrestre, a enduré des souffrances comme les siennes, après de très nombreuses confessions, et des tortures prolongées dans les liens, et après avoir été condamné par le gouverneur aux mines en Palestine. Il s'est conduit à travers toutes ces épreuves d'une manière véritablement philosophique, car il était plus instruit que son frère et avait poursuivi des études philosophiques. Enfin, dans la ville d'Alexandrie, lorsqu'il vit le juge, qui jugeait les chrétiens, commettre des délits au-delà de toute limite, insulter maintenant des hommes saints de diverses manières, et de nouveau confier des femmes de la plus grande modestie, et même des vierges religieuses, à des proxénètes, pour un traitement honteux, il se comporta comme son frère. Car, comme ces choses semblaient insupportables, il a avancé, avec une résolution audacieuse, et par ses paroles et ses actes, il a accablé le juge de honte et de déshonneur. Après avoir subi de nombreuses formes de torture, il subit une mort semblable à celle de son frère, jeté à la mer. Mais ces choses, comme je l'ai dit, sont arrivées de cette façon un peu plus tard. Chapitre 6. En la 4e année de la persécution dont nous sommes victimes, le 12e jour avant les calendes de décembre, qui est le 20e jour du mois de Dios, la veille du sabbat, alors que le tyran Maximin était présent et donnait de magnifiques spectacles en l'honneur de son anniversaire, l'événement suivant, vraiment digne d'être enregistré, s'est produit dans la ville de Césarée. Comme il était d'usage de donner aux spectateurs des spectacles plus splendides en présence des empereurs qu'à d'autres moments, des spectacles nouveaux et étrangers remplaçaient les divertissements habituels, tels que des animaux amenés d'Inde ou d'Éthiopie ou d'autres endroits, ou des hommes qui pouvaient étonner les spectateurs par des exercices corporels habiles. Il était nécessaire à cette époque, alors que l'empereur donnait ses spectacles, d'ajouter à ceci quelque chose de plus merveilleux. Et qu'est-ce que cela devait être? Un témoin de notre doctrine a été amené au milieu et a enduré le combat pour la vraie et unique religion. Il s'agit d'Agapus, qui, comme nous l'avons dit un peu plus haut, a été, avec Thècle, le second à être jeté aux bêtes sauvages pour servir de nourriture. Il avait également, à 3 reprises et plus, marché avec des malfaiteurs de la prison à l'arène, et chaque fois, après les menaces du juge, que ce soit par compassion ou dans l'espoir qu'il change d'avis, il avait été réservé pour d'autres combats. Mais l'empereur étant présent, on le fit sortir à ce moment-là, comme s'il avait été convenablement réservé pour cette occasion, jusqu'à ce que s'accomplisse en lui la parole même du Sauveur, que par la connaissance divine, il déclara à ses disciples, afin qu'ils soient amenés devant des rois, à cause de leur témoignage à son égard. Il fut emmené au milieu de l'arène, avec un certain malfaiteur qui, selon eux, était accusé du meurtre de son maître. Mais ce meurtrier de son maître, après avoir été jeté aux bêtes sauvages, a été jugé digne de compassion et d'humanité, presque comme Barabbas au temps de notre Sauveur. Et tout le théâtre résonnait de cris et d'applaudissements, car l'assassin avait été humainement sauvé par l'empereur et jugé digne d'honneur et de liberté. Mais l'athlète religieux fut d'abord convoqué par le tyran, et on lui promettait la liberté s'il reniait sa profession de foi. Mais il témoigna d'une voix forte, que non pas pour une quelconque faute, mais pour la religion du Créateur de l'univers, il supporterait volontiers, et avec plaisir, tout ce qui pourrait lui être infligé. Cela dit, il joignit l'acte à la parole, et se précipita à la rencontre d'un ours qui avait été lâché contre lui, se livrant avec beaucoup de joie à être dévoré par lui. Après cela, alors qu'il respirait encore, il fut jeté en prison. Un jour, alors qu'il vivait encore, des pierres furent attachées à ses pieds, et il fut noyé dans les profondeurs de la mer. Tel fut le martyre d'Agapus. Chapitre 7. Toujours à Césarée, alors que la persécution s'était poursuivie, jusqu'à la 5e année, le 2e jour du mois de Zantique, qui est le 4e avant les noces d'avril, le jour même de la résurrection de notre Sauveur, Théodosie, une vierge de Tyr, une jeune fille, fidèle et digne de tout respect, n'ayant pas encore 18 ans accomplis, s'est approchée de certains prisonniers qui confessaient le royaume du Christ et qui étaient assis devant le tribunal, les a salués et, comme il est probable, les a suppliés de se souvenir d'elle lorsqu'ils seront devant le Seigneur. Sur quoi, comme si elle avait commis un acte profane et impie, les soldats s'en sont emparés et l'ont conduite au gouverneur. Et, aussitôt comme un fou et une bête sauvage, dans sa colère il la tortura, lui infligeant des tourments terribles sur les côtes et les seins, jusqu'aux os. Et comme elle respirait encore, et qu'elle se tenait debout avec un visage joyeux et radieux, il ordonna de la jeter dans les vagues de la mer. Puis, passant d'elle aux autres confesseurs, il les condamna tous aux mines de cuivre, de Phéno en Palestine. Ensuite, le 5 du mois de Dios, le 9 de novembre, selon les Romains, dans la même ville, Sylvain, qui était alors presbytre et confesseur, mais qui, peu après, fut honoré par l'épiscopat et mourut en martyr, et ceux qui étaient avec lui, des hommes qui avaient fait preuve de la plus noble fermeté en faveur de la religion, furent condamnés par lui à travailler dans les mêmes mines de cuivre, l'ordre étant d'abord donné que leurs chevilles soient handicapées avec des fers chauds. En même temps, il livra aux flammes un homme qui s'était illustré par de nombreuses autres confessions. Il s'agit de Doninus, bien connu de tous en Palestine pour son intrépidité extrême. Après cela, le même juge, qui était un cruel artisan de la souffrance et un inventeur de dispositifs contre la doctrine du Christ, planifia contre les pieux des châtiments dont on n'avait jamais entendu parler. Il en condamna 3 à un seul combat pugilistique. Il livra à la dévoration des bêtes sauvages, Auxence, un vieil homme grave et saint. De d'autres, qui étaient encore dans la vie mûre, il en fit des eunuques et les condamna aux mêmes mines. D'autres encore, après de sévères tortures, il les jeta en prison. Parmi eux se trouvait mon ami le plus cher, Pamphile, qui fut en raison de toutes les vertus le plus illustre des martyrs de notre époque. Urbain l'a d'abord mis à l'épreuve dans la philosophie rhétorique et l'apprentissage. Puis, il a voulu le forcer à sacrifier. Mais voyant qu'il refusait et qu'il ne tenait pas compte de ses menaces, il ordonna de le tourmenter avec des tortures très sévères. Et cet homme très féroce, après s'être ainsi, pour ainsi dire, enivré des souffrances qu'on lui infligeait, au moyen des ongles de fer appliqués aux flancs, avec une persévérance opiniâtre, et après avoir du reste fait par-dessus tout retomber la honte sur lui, l'enrôle lui aussi au nombre des confesseurs qui étaient en prison. Mais quelle récompense pour sa cruauté envers les saints! Celui qui a ainsi abusé des martyrs du Christ recevra du jugement divin, peut être facilement déterminé à partir des préludes à celui-ci, dans lesquels immédiatement et peu de temps après ses cruautés audacieuses contre Pamphile, alors qu'il tenait encore le gouvernement, le jugement divin est venu sur lui. Car soudain, celui qui hier encore jugeait sur le haut du tribunal, gardé par une bande de soldats, et qui régnait sur toute la nation de Palestine, l'associé, l'ami le plus cher et le compagnon de table du tyran lui-même, fut dépouillé en une nuit et accablé de honte et de déshonneur devant ceux qui l'avaient autrefois admiré, comme s'il était lui-même un empereur. Et il apparut lâche et non viril, poussant des cris de femme et des supplications à tout le peuple qu'il avait gouverné. Et Maximin lui-même, dont il se prévalait autrefois avec arrogance, comme de quelqu'un qui l'aimait extrêmement, à cause de ce qu'il faisait contre nous, fut établi par Dieu, comme un juge dur et très cruel, à Césarée même, si bien qu'il porta contre lui une sentence de mort, après l'avoir accablé de honte pour les méfaits dont il était convaincu. Un moment propice peut venir, où nous aurons le loisir de raconter la fin et le sort de ces impies, qui nous ont particulièrement combattus, tant de Maximin lui-même que de ceux qui l'accompagnaient. Chapitre 8. Jusqu'à la 6e année, la tempête n'a cessé de faire rage contre nous. Avant cette date, il y avait eu un très grand nombre de confesseurs de la religion dans la mine dite du Porphyre à Thébaïs, qui tire son nom de la pierre qui s'y trouve. Parmi eux, 100 hommes, à défaut de 3, ainsi que des femmes et des enfants en bas âge, ont été envoyés au gouverneur de Palestine. Lorsqu'ils confessèrent le Dieu de l'univers et le Christ, Firmilien, qui avait été envoyé comme gouverneur à la place d'Urbain, ordonna, conformément au commandement impérial, qu'ils soient mutilés en brûlant les tendons des chevilles de leurs pieds gauches et que leurs yeux droits, avec les paupières et les pupilles, soient d'abord découpés, puis détruits au fer chaud jusqu'aux racines. Il les envoya ensuite dans les mines de la province pour qu'ils y endurent de dures épreuves et de grandes souffrances. Mais il ne suffisait pas de priver de leurs yeux ceux qui souffraient de telles misères. Il fallait aussi priver de leurs yeux les indigènes de Palestine, dont il a été dit plus haut qu'ils étaient condamnés au combat pugilistique, car ils ne recevaient pas de nourriture du dépôt royal et ne subissaient pas les exercices préparatoires nécessaires. Ayant été amenés à ce titre, non seulement devant les surveillants, mais aussi devant Maximin lui-même, ayant manifesté la plus noble persistance dans la confession, par l'endurance de la faim et des coups. Ils ont reçu comme punition, avec ceux que nous avons mentionnés, et avec eux, d'autres confesseurs dans la ville de Césarée. Ceux-là ne sont au reste pas les seuls que nous avons de nos yeux vus souffrir de la sorte. Il y a encore des Palestiniens condamnés au combat de gladiateurs et dont nous avons parlé un peu plus haut. Comme ils ne voulaient pas des aliments qui leur venaient du trésor impérial, ni des exercices qui les préparaient aux luttes, ils eurent alors à comparaître, pour cela, non pas seulement devant les préfets ou des gouverneurs, mais devant Maximin lui-même. Ils montrèrent une très généreuse constance dans la confession, par le courage à endurer la faim et la patience, à supporter les fouets. Ils souffrirent les mêmes tourments que ceux dont nous venons de parler, avec d'autres confesseurs qui leur furent adjoints à Césarée même. Immédiatement après, d'autres personnes qui étaient rassemblées pour entendre la lecture des Écritures furent saisies à Gaza, et certaines endurèrent les mêmes souffrances aux pieds et aux yeux. Mais d'autres furent affligées de tourments encore plus grands et de tortures les plus terribles sur les côtés. L'un d'entre eux, une femme dans son corps, mais un homme dans sa compréhension, ne voulait pas supporter la menace de la fornication et s'exprimait directement contre le tyran qui avait confié le gouvernement à des juges aussi cruels. Elle fut d'abord flagellée, puis élevée sur le bûcher, et ses flancs furent lacérés. Alors que les personnes désignées à cet effet appliquaient les tortures sans cesse et sévèrement, sur ordre du juge, une autre, avec l'esprit fixé comme la première, sur la virginité comme but, une femme qui était tout à fait chétive d'apparence et d'aspect méprisable, mais qui était dotée d'une force d'âme et d'une intelligence supérieure à celle de son corps, incapable de supporter les actes impitoyables, cruels et inhumains, avec une audace qui dépasse celle des combattants célèbres chez les Grecs, cria au juge du milieu de la foule. « Et combien de temps allez-vous ainsi torturer cruellement ma sœur ?» Celui-ci fut très enragé et ordonna que la femme soit immédiatement saisie. Elle fut alors amenée, et s'étant appelée par le nom auguste du Sauveur, elle fut d'abord poussée par des mots à sacrifier, et comme elle refusait, elle fut traînée de force à l'autel. Mais cette sœur continua à maintenir son ancien zèle, et d'un pied intrépide et résolu, elle donna un coup de pied à l'autel et le renversa avec le feu qui s'y trouvait. Le juge, furieux comme une bête sauvage, lui infligea alors des tortures sur les côtes, comme il n'en avait jamais infligé à personne auparavant, s'efforçant presque de se gaver de sa chair crue. Mais lorsque sa folie fut assouvie, il les lia toutes les deux, celle-ci et celle qu'elle appelait sœur, et les condamna à mort par le feu. On dit que la première d'entre elles venait du pays de Gaza, l'autre, du nom de Valentina, était de Césarée, et était bien connue de beaucoup. Mais comment pourrais-je raconter dignement le martyre qui suivit et dont fut honoré Paul, 3 fois bienheureux? À la même heure que ces femmes, il était compris dans la même sentence de mort. Au moment de son martyre, alors que le bourreau allait lui couper la tête, il a demandé un bref répit. Celui-ci lui ayant été accordé, il a d'abord d'une voix claire et distincte supplié Dieu pour ses compagnons chrétiens, priant pour leur pardon et pour que la liberté leur soit bientôt rendue. Puis, il demanda la conversion des Juifs à Dieu par le Christ, et, procédant de la même manière pour les Samaritains, il pria ensuite pour que les païens, qui étaient dans l'erreur et ignoraient Dieu, puissent le connaître et adopter la vraie religion. Il ne laissa pas non plus de côté la multitude mixte qui se tenait autour de lui. Après cela, ô grande et indicible tolérance, il implora le Dieu de l'univers pour le juge qui l'avait condamné à mort et pour les plus hauts dirigeants, et aussi pour celui qui allait le décapiter et pour tous ceux présents, suppliant que leur péché envers lui ne leur soit pas imputé. Ayant prié pour ces choses à haute voix, et ayant comme celui qui mourait injustement, poussé presque tous à la compassion et aux larmes, de son propre chef il s'est préparé, et a soumis son cou nu au coup d'épée, et séparé du martyr divin. Cela s'est passé le 25e jour du mois de Panémos, qui est le 8e avant les calendes d'août. Telle fut la fin de ces personnes. Mais peu de temps après, 130 admirables athlètes de la confession du Christ, venus de pays d'Égypte, endurèrent, en Égypte même, sur ordre de Maximin, les mêmes afflictions, aux yeux et aux pieds, que les personnes précédentes, et furent envoyés dans les mines, susmentionnés en Palestine. Mais certains d'entre eux ont été condamnés aux mines de Cilicie. Chapitre 9. Après les actes, si nobles des distingués martyrs du Christ, la flamme de la persécution s'est atténuée et a été éteinte, pour ainsi dire, par leur sang sacré, et le soulagement et la liberté ont été accordés à ceux qui, pour l'amour du Christ, travaillaient dans les mines de Thébaïs. Et pendant un peu de temps, nous avons commencé à respirer un air pur. Mais, par un nouvel élan, celui qui détenait le pouvoir de persécuter s'est de nouveau soulevé contre les chrétiens. Aussitôt, des lettres de Maximin contre nous furent publiées partout dans toutes les provinces. Les gouverneurs et le préfet militaire exhortèrent par des édits, des lettres et des ordonnances publiques les magistrats, les généraux et les notaires de toutes les villes à appliquer le décret impérial qui ordonnait de reconstruire rapidement les autels des idoles et de sacrifier et d'offrir des oblations à tous les hommes, femmes, enfants et même aux nourrissons enceints, qu'avec diligence et soin ils leur fassent goûter les exécrables offrandes, que les objets en vente sur le marché soient souillés par les libations des sacrifices, et que des gardes soient postés devant les bains, afin de souiller par les abominables sacrifices ceux qui sont allés s'y laver. Lorsque les ordres furent exécutés, notre peuple, comme il était naturel, fut au début très affligé dans son esprit. Et même les païens incrédules blâmèrent la sévérité et l'absurdité extrême de ce qui était fait, car ces choses leur semblaient extrêmes et pesantes. Alors que la tempête la plus violente se préparait dans tous les quartiers, la puissance divine de notre Sauveur insuffla à nouveau une telle audace à ces athlètes que, sans être attirés ou traînés en avant par quiconque, ils repoussèrent les menaces. 3 fidèles se sont réunis, se sont précipités sur le gouverneur alors qu'il sacrifiait aux idoles, et lui ont crié de cesser son délire, car il n'y a pas d'autre Dieu que le Créateur de l'univers. Lorsqu'il lui demanda qui ils étaient, ils confessèrent hardiment qu'ils étaient chrétiens. Alors, Firmilien, enragé, les condamna à la peine capitale, sans leur infliger de torture. Le plus âgé avait pour nom Antonin, l'autre Zébinas, et venait d'Eleutéropolis. Le 3e s'appelait Germain. Cela se passait le 13 du mois de Dios, les ides de novembre. On leur associa le même jour Énatas, une femme de Cytopolis, qui était ornée du chapelet de la virginité. Elle n'a en effet pas fait comme eux, mais a été traînée de force et amenée devant le juge. Elle subit des flagellations et des insultes cruelles que Maxis, un tribun d'un quartier voisin, à l'insu de l'autorité supérieure, osa lui infliger. C'était un homme pire que son nom, sanguinaire par ailleurs, extrêmement dur et tout à fait cruel, et censuré par tous ceux qui le connaissaient. Cet homme a dépouillé la femme bénie de tous ses vêtements, de sorte qu'elle n'était couverte que des reins aux pieds et que le reste de son corps était nu. Il la conduisit à travers toute la ville de Césarée et considéra comme une grande chose de la battre avec des lanières pendant qu'elle était traînée sur toutes les places du marché. Après un tel traitement, elle manifesta la plus noble constance au siège du gouverneur lui-même, et le juge la condamna à être brûlée vive. Il porta également sa rage contre les pieux, de façon totalement inhumaine, et transgressa les lois de la nature, n'ayant même pas honte de refuser l'enterrement des corps sans vie, des hommes sacrés. Il ordonna donc que les morts soient exposés en plein air, comme nourriture pour les bêtes sauvages, et qu'ils soient surveillés attentivement, de jour comme de nuit. Pendant de nombreux jours, un grand nombre d'hommes se sont occupés de ce décret sauvage et barbare, et ils veillaient depuis leur poste d'observation, comme s'il s'agissait d'une affaire digne de soin, à ce que les cadavres ne soient pas volés. Et des bêtes sauvages, des chiens et des oiseaux de proie, dispersaient çà et là les membres humains, et toute la ville était jonchée d'entrailles et d'os d'hommes. et rien n'eût jamais paru plus terrible et plus horrible, même à ceux qui autrefois nous haïssaient. Bien qu'ils aient moins déploré la calamité de ceux contre qui ces choses ont été faites, que l'indignation contre eux-mêmes et contre la nature commune de l'homme. Car il fallait voir près des portes un spectacle qui dépasse toute description et tout récit tragique. Car non seulement la chair humaine était dévorée en un endroit, mais elle était dispersée en tout lieu. Si bien que certains ont dit qu'on pouvait voir des membres et des masses de chair et des parties d'entrailles, même à l'intérieur des portes. Après que ces choses aient continué, pendant de nombreux jours, un événement merveilleux se produisit. L'air était clair et brillant, et l'aspect du ciel plus serein. Lorsque soudain dans toute la ville, des piliers qui soutenaient les porches publiques, de nombreuses gouttes tombèrent comme des larmes, et les places des marchés, et les rues, bien qu'il n'y ait pas de brouillard dans l'air, furent humidifiées avec de l'eau pulvérisée, dont on ne connaît pas la provenance. Puis, aussitôt il fut rapporté partout que la terre, incapable d'endurer l'abomination de ces choses, avait versé des larmes d'une manière mystérieuse, et que, en réprimande à la nature implacable et insensible des hommes, des pierres et du bois sans vie avaient pleuré pour ce qui s'était passé. Je sais bien que ce récit peut peut-être paraître oiseux et fabuleux à ceux qui nous suivront, mais pas à ceux à qui la vérité a été confirmée à l'époque. Chapitre 10. Le 14e jour du mois suivant, qui est Apelléos, le 19e avant les calendes de janvier, certaines personnes en provenance d'Égypte ont été à nouveau saisies par ceux qui examinaient les personnes passant par les portes. Ils avaient été envoyés pour exercer un ministère auprès des confesseurs en Cilicie. Ils ont reçu la même peine que ceux qu'ils étaient allés aider, étant mutilés aux yeux et aux pieds. Trois d'entre eux, cependant, à Ascalon, où ils étaient retenus, offrirent un merveilleux exemple de courage, et le martyre qu'ils remportèrent eut une fin diverse. L'un fut livré au bûcher, son nom était Ars, les autres eurent la tête tranchée, ils s'appelaient Promos et Élie. Le 11 du mois d'Odunéos, c'est-à-dire le 3 avant les ides de janvier, dans la ville de Césarée, un ascète, Pierre, appelé aussi Absélamos, du bourg d'Adéna, des confins d'Eleutéropolis, éprouvé par le feu, comme un or très pur, donna la preuve de sa foi au Christ, de Dieu, par une détermination généreuse. Le juge et ceux qui étaient autour de lui le suppliaient mille fois d'avoir pitié de lui, d'épargner sa jeunesse et la fleur de son âge. Il préféra à tout, et à la vie elle-même, l'espérance du Dieu de l'univers. En ce temps-là, un certain Asclépios, qui paraît être un évêque de la secte de Marcion, par zèle pensait-il pour la religion, mais non certes pas pour celle qui est selon la science, sortit également de la vie par le même bûcher que le martyr précédent. Voilà comment se passèrent ces choses. Chapitre 11. Il est temps de décrire le grand et célèbre spectacle de Pamphile, un homme trois fois cher à mes yeux, et de ceux qui ont terminé leur parcours avec lui. Ils étaient 12 en tout et avaient été jugés dignes d'un charisme et d'un nombre prophétique et apostolique. Parmi eux, le chef et le seul à avoir été honoré du poste de presbytre à Césarée était Pamphile, un homme qui, toute sa vie durant, a été célèbre pour toutes ses vertus, pour avoir renoncé au monde et l'avoir méprisé, pour avoir partagé ses biens avec les nécessiteux, pour avoir méprisé les espoirs terrestres, et pour sa conduite et son exercice philosophique. Il excellait tout particulièrement à notre époque par sa dévotion la plus sincère aux Écritures divines et son industrie infatigable dans tout ce qu'il entreprenait, et par son aide à ses parents et associés. Dans un traité séparé sur sa vie, composé de 3 livres, nous avons déjà décrit l'excellence de sa vertu. Nous y renvoyons ceux qui ont le désir de connaître ces choses. Pour le présent, retenons ce qui concerne les martyrs. Deuxième après Pamphile, Valès, qui a été honoré pour ses vénérables cheveux gris et a participé au concours. Il était un diacre d'Aélia, un vieil homme d'apparence très grave et versé dans les Écritures divines. Il s'en était tellement approprié le souvenir qu'il n'avait même pas besoin d'être en contact avec les textes. Il citait de mémoire les passages qu'il voulait employer. Le troisième était Paul, de la ville de Jamnia, qui était connu parmi eux comme le plus zélé et le plus fervent en esprit. Avant son martyre, il avait enduré le combat de la confession et avait été torturé par des fers rouges. Après que ces personnes eurent continué à être emprisonnées pendant 2 années entières, l'occasion de leur martyre fut une seconde arrivée de frères égyptiens qui souffrirent avec eux. Ils avaient accompagné les confesseurs de Cilicie jusqu'aux mines et rentraient chez eux. À l'entrée des portes de Césarée, les gardes, qui étaient des hommes de caractère barbare, les interrogèrent sur leur identité et leur provenance. Ils n'ont rien caché de la vérité, et ils ont été arrêtés. Ils étaient au nombre de 5. Lorsqu'ils furent amenés devant le tyran, étant très audacieux en sa présence, ils furent immédiatement jetés en prison. Le jour suivant, qui était le 19e du mois de Péritios, selon le calcul romain, le 14e avant les calendes de mars, ils furent amenés selon les ordres devant le juge, avec Pamphile et ses compagnons que nous avons mentionnés. Ce juge, tout d'abord, éprouve l'invincible constance des Égyptiens par toutes sortes de tortures, avec de multiples instruments inconnus, jusque-là et imaginés pour l'occasion. Ayant pratiqué ses cruautés sur le chef de tous, il lui demanda d'abord qui il était. Il entendit en réponse le nom d'un prophète au lieu de son propre nom, car ils avaient coutume à la place des noms d'idoles que leur père leur avait donnés, s'ils en avaient, de prendre d'autres noms, afin que vous les entendiez s'appeler Élie ou Jérémie, ou Ésaïe, ou Samuel, ou Daniel, se montrant ainsi, intérieurement, de vrais Juifs, et le véritable Israël de Dieu, non seulement dans les actes, mais dans les noms qu'ils portaient. Lorsque Firmilien entendit un tel nom, de la part du martyr, et qu'il ne comprit pas la force de la parole, il demanda ensuite le nom de son pays. Mais il donna une seconde réponse semblable à la première, disant que Jérusalem était son pays. En disant cela, il pensait à celle dont Paul a dit « La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. » Et « Vous êtes venus à la montagne de Sion, et à la ville du Dieu vivant, à la Jérusalem d'en haut. » Il pensait à cela, mais le juge, ne pensant qu'à la terre, chercha à découvrir ce qu'était cette ville, et dans quelle partie du monde elle se trouvait. Et c'est pourquoi il appliqua des tortures pour que la vérité soit reconnue. Mais l'homme, les mains tordues derrière le dos, et les pieds écrasés par d'étranges machines, affirmait fermement qu'il avait dit la vérité. Et étant interrogé à plusieurs reprises sur la nature et l'emplacement de la ville dont il parlait, il déclara que c'était le pays des seuls pieux, car personne d'autre ne devait y avoir sa place, et qu'elle était située du côté de l'Orient, là où le soleil se lève. Il philosophait sur ces choses selon sa propre compréhension, et il en était maintenant détourné par les tortures dont il était affligé de tous côtés. Et comme s'il était sans chair ni corps, il semblait insensible à ses souffrances. Mais le juge perplexe s'impatientait, pensant que les chrétiens allaient fonder une cité quelque part, hostile aux Romains. Il s'enquit beaucoup à ce sujet et chercha où se situait ce pays vers l'est. Mais, après avoir longtemps lacéré le jeune homme à coups de fouet et l'avoir puni de toutes sortes de tourments, il comprit que sa persistance dans ses propos ne pouvait être changée et prononça contre lui la peine de mort. Voilà quel drame fut l'affaire de celui-ci. Pour les autres, le juge les fit exercer aussi à des combats analogues et mourir de la même façon. Puis, lassé et constatant qu'il avait puni les hommes en vain, ayant assouvi son désir, il poursuivit contre Pamphile et ses compagnons. Ayant appris que déjà sous d'anciennes tortures, ils avaient manifesté un zèle immuable pour la foi, il leur demanda s'ils allaient maintenant obéir. Et, ne recevant de chacun d'eux que cette seule réponse, comme dernier mot de leur confession en martyr, il leur infligea un châtiment semblable aux autres. Lorsque cela fut fait, un jeune homme, un des domestiques de Pamphile, qui avait été éduqué dans la noble vie et l'instruction d'un tel homme, apprenant la sentence prononcée sur son maître, s'écria du milieu de la foule, demandant que leur corps soit enterré. Le juge, qui n'était pas un homme mais une bête sauvage, ou s'il y avait quelque chose de plus sauvage qu'une bête sauvage, sans tenir compte de l'âge du jeune homme, ne lui posa que la même question. Lorsqu'il apprit qu'il se confessait chrétien, comme s'il avait été blessé par une flèche, gonflé de rage, il ordonna au bourreau d'user de toute leur puissance contre lui. Et, lorsqu'il vit qu'il refusait de sacrifier comme on lui avait ordonné, il ordonna aux gardes de déchirer sa peau jusqu'aux os et jusqu'aux entrailles, non pas comme s'il était de la chair humaine, mais comme s'il était une pierre ou du bois, ou n'importe quelle chose sans vie. Mais après une longue persistance, il vit que c'était vain, car l'homme était sans voix, insensible et presque sans vie, son corps étant usé par les tortures. Mais le juge, qui était complètement inhumain, condamna le jeune homme à être livré sur le champ, et tel qu'il était, un feu lent. Et celui-ci, avant l'achèvement du martyre de son maître selon la chair, venu le dernier au combat, il recevait le premier la mort du corps, tandis qu'attendaient encore ceux qui s'étaient hâtés aux luttes précédentes. On pouvait alors voir Porphyre, comme celui qui était sorti victorieux de chaque conflit, le corps couvert de poussière, mais le visage joyeux, après de telles souffrances, avec un esprit courageux et exalté, avancé vers la mort. Et comme s'il était vraiment rempli de l'esprit divin, couvert seulement de sa robe philosophique, jeté comme un manteau sobrement et intelligemment, il dirigeait ses amis comme il le souhaitait, et leur faisait signe, conservant encore un visage joyeux, même sur le bûcher. Mais lorsque le feu fut allumé, à quelque distance autour de lui en cercle, après avoir inhalé la flamme dans sa bouche, il continua noblement en silence, depuis ce moment jusqu'à sa mort, après la seule parole qu'il avait prononcée, lorsque la flamme l'avait touché pour la première fois, et il appela alors le Fils de Dieu, Jésus, à son secours. Telle fut la mort de Porphyre. Cette mort fut annoncée à Pamphile par un messager, Seleucus. Il était l'un des confesseurs de l'armée. En tant que porteur d'un tel message, il fut immédiatement jugé digne d'un sort similaire. Car dès qu'il eut raconté la mort de Porphyre, et qu'il eut salué l'un des martyrs par un baiser, certains soldats s'emparèrent de lui et le conduisirent au gouverneur. Et lui, comme s'il voulait le hâter pour être un compagnon du premier sur le chemin du ciel, ordonna qu'il fût mis à mort immédiatement. Cet homme était originaire de Cappadoce. Il appartenait à une bande de soldats de choix et n'avait pas obtenu un petit honneur dans les choses qui sont estimées chez les Romains. En effet, par sa stature et sa force physique, sa taille et sa vigueur, il surpassait de loin ses camarades, si bien que son apparence était un sujet de conversation courant, et que toute sa forme était admirée en raison de sa taille et de ses proportions symétriques. Au début de la persécution, il était très présent dans les combats de confession, grâce à sa patience sous le fouet. Après avoir quitté l'armée, il s'est mis à imiter avec zèle les ascètes religieux, et comme s'il était leur père et leur gardien, il s'est montré un évêque et un protecteur des orphelins démunis, des veuves sans défense et de ceux qui étaient affligés par la misère ou la maladie. Il est probable qu'à ce titre, il a été jugé digne d'un extraordinaire appel au martyr par Dieu, qui se réjouit plus de ces choses que de la fumée et du sang des sacrifices. Il était le 10e athlète parmi ceux dont nous avons dit qu'ils allaient mourir le même jour. Ce jour-là, comme il se doit, la porte principale fut ouverte, et une voie toute tracée pour entrer dans le royaume des cieux fut donnée au martyr Pamphile et aux autres avec lui. Sur les traces de Seleucus vient Théodule, un vieillard pieux et grave qui appartenait à la maison du gouverneur, et qui avait été honoré par Firmilien lui-même plus que tous les autres dans sa maison en raison de son âge et parce qu'il était un père de la 3e génération, et aussi en raison de la bonté et de la conscience la plus fidèle qu'il avait manifestée à son égard. Alors qu'il poursuivait la voie de Seleucus, lorsqu'il fut amené devant son maître, ce dernier était plus en colère contre lui que contre ceux qui l'avaient précédé, et le condamna à endurer le martyre du Sauveur sur la croix. Comme il manquait encore un pour remplir le nombre des 12 martyrs dont nous avons parlé, Julien est venu le compléter. Il venait d'arriver de l'étranger et n'était pas encore entré à la porte de la ville. Lorsqu'ayant appris l'existence des martyrs, alors qu'il était encore en route, il se précipita, et aussitôt tel qu'il était, pour les voir. Lorsqu'il aperçut les tabernacles des saints couchés sur le sol, remplis de joie, il les embrassa et les embrassa tous. Les ministres de l'abattage s'emparèrent aussitôt de lui, pendant qu'il faisait cela, et le conduisirent à Firmilien. Agissant comme il en avait l'habitude, il le condamna à un feu lent. Alors Julien, bondissant, et exultant rendit à haute voix grâce au Seigneur qui l'avait jugé digne de telles choses, et fut honoré de la couronne du martyr. Cappadocien de naissance, il était très circonspect, fidèle et sincère dans sa manière de vivre, zélé à tous les autres égards, et animé par le Saint-Esprit lui-même. Telle était la compagnie qui fut jugée digne d'entrer en martyr avec Pamphile. Sur ordre du gouverneur impie, leurs corps sacrés et vraiment saints furent gardés comme nourriture pour les bêtes sauvages pendant 4 jours et autant de nuits. Mais comme, chose étrange à dire, par les soins providentiels de Dieu, aucune ne s'approchait d'eux, ni bêtes de proie, ni oiseaux, ni chiens, ils furent enlevés indemnes et après une préparation appropriée, furent enterrés selon la coutume. Lorsque le rapport de ce qui avait été fait par ces hommes-là fut diffusé dans toutes les directions, Adrianos et Eubulus, venus du pays dit de Manganèse à Césarée, pour voir les confesseurs restants, furent également interrogés à la porte sur la raison de leur venue. Ayant reconnu la vérité, ils furent amenés à Firmilien. Mais celui-ci, comme il en avait l'habitude, leur infligea sans tarder de nombreuses tortures et les condamna à être dévorés par des bêtes sauvages. Au bout de 2 jours, le 5 du mois de Distre, le 3e avant les nonnes de mars, qui était considéré comme l'anniversaire de la divinité tutélaire de Césarée, Adrianus fut jeté à un lion, puis tué par l'épée. Mais Eubulus, 2 jours plus tard, lors des nonnes de mars, c'est-à-dire le 7 du mois de Distre, alors que le juge l'avait sincèrement prié de sacrifier pour obtenir ce qui était considéré comme la liberté parmi eux, lui, préférant une mort glorieuse pour la religion à la vie éphémère, fut, à son tour, livré comme une offrande aux bêtes sauvages. Et il fut le dernier des martyrs de Césarée, qui scella la liste des athlètes. Il convient également de raconter ici comment, en peu de temps, la providence céleste s'est abattue sur les souverains impies, ainsi que sur les tyrans eux-mêmes. Car ce même Firmilien, qui avait ainsi abusé des martyrs du Christ, après avoir subi avec les autres le châtiment le plus sévère, fut mis à mort par l'épée. Tels furent les martyrs qui eurent lieu à Césarée pendant toute la période de la persécution. Chapitre 12. Tout ce qui, lors de ces événements et au milieu de cette époque, va encore s'accomplir concernant les chefs des églises. Comment, au lieu de rester des pasteurs des brebis spirituelles du Christ, qu'ils n'avaient pas gouvernés selon la loi, ils furent préposés par la justice divine comme si elle les avait jugés dignes d'eux, aux soins des chameaux, être sans raison et les plus contrefaits dans leur propre corps. Comment elle les condamna à être assujettis, à demeurer auprès des chevaux impériaux. Tout ce qu'au sujet des objets sacrés et des immeubles ecclésiastiques, les mêmes eurent, suivant les temps à souffrir, de la part des préfets et magistrats impériaux, en outrage, déshonneur et torture. Comme aussi, en outre, les ambitions d'un grand nombre, les impositions des mains faites sans discernement et en dehors des lois, les schismes entre confesseurs eux-mêmes et tout ce que de jeunes agitateurs ont tramé avec ardeur contre les ruines de l'Église. Entassant nouveauté sur nouveauté, ajoutant sans ménagement au malheur de la persécution et élevant mot sur mot. Tout cela me paraît devoir être omis. J'estime que le récit de ces choses ne me convient pas. Je m'en excuse et m'en abstiens, ainsi du reste que je l'ai dit en commençant. Mais tout ce qui est vénérable, de bonne réputation, selon la sainte parole, s'il y a quelques vertus et quelques sujets de louange, je pense que le dire, l'écrire, le présenter à des auditeurs fidèles est parfaitement approprié à l'histoire des admirables martyrs. Quant à la paix qui nous est apparue, venant du ciel, il me semble qu'elle orne la conclusion de tout cet ouvrage. Chapitre 13. La 7e année de notre conflit s'est achevée, et les mesures hostiles qui s'étaient poursuivies jusqu'à la 8e année se sont progressivement et discrètement atténuées. Un grand nombre de confesseurs étaient recueillis dans les mines de cuivre de Palestine et agissaient avec une grande audace jusqu'à construire des lieux de culte. Mais le souverain de la province, un homme cruel et méchant, comme le montrent ses actes contre les martyrs, étant venu là et ayant appris l'état des choses, le communiqua à l'empereur, écrivant en accusation ce qu'il jugeait le mieux. Nommé surintendant des mines, il divisa la foule des confesseurs comme par un décret royal et envoya les uns habiter à Chypre et les autres au Liban, il en dispersa d'autres dans les différentes parties de la Palestine, et leur ordonna de travailler à divers travaux. Et, choisissant les 4 qui lui semblaient être les chefs, il les envoya au commandant des armées de ces sections. Il s'agissait de Pélé et Nil, évêque des Égyptiens, ainsi qu'un autre prêtre, et, en plus de ceux-ci, le plus connu de tous pour son zèle envers tout le monde, Palermutios. Le chef militaire leur demande le reniement de leur foi religieuse, et ne l'obtenant pas, il les livre à la mort par le feu. D'autres encore se trouvaient là, qui avaient obtenu d'habiter chez eux dans un canton à part. C'étaient des confesseurs qui, soit à cause de vieillesse ou de mutilation, ou d'autres infirmités du corps, étaient exempts de service dans les travaux. Leur chef était un évêque originaire de Gaza, Sylvain. Il portait en lui le type de la prudence et le modèle authentique du christianisme. Cet homme, qui dès le premier jour de la persécution et pendant toute sa durée a été éminent pour ses confessions dans toutes sortes de conflits, a été gardé tout ce temps pour pouvoir ainsi dire sceller définitivement tout le conflit en Palestine. Il était accompagné de nombreux Égyptiens, parmi lesquels Jean, qui a surpassé tous les autres de notre temps par l'excellence de sa mémoire. Il avait été autrefois privé de sa vue. Néanmoins, en raison de son éminence en confession, il avait subi avec les autres la destruction de son pied par le fer rouge. Et bien que sa vue ait été détruite, il fut soumis au même brûlage par le feu, les bourreaux visant tout ce qui était impitoyable, cruel et inhumain. Puisqu'il était un tel homme, on ne s'étonnerait pas tant de ses habitudes et de sa vie philosophique, ni de la force de sa mémoire. Car il avait écrit des livres entiers des Écritures divines, et non des tables de pierre, comme le dit l'apôtre Paul. On pourra admirer qu'il fut tel dans son caractère et sa vie de philosophe, mais cela ne paraîtra pas aussi étonnant que la puissance de sa mémoire. C'étaient des livres entiers des Saintes Écritures qu'il avait écrits, non pas sur des tables de pierre, comme dit le divin apôtre, ni sur des peaux d'animaux ou des papiers que le ver ou le temps détruisent, mais vraiment sur les tables de chair de son cœur, avec son âme lumineuse, et avec l'œil très pur de l'intelligence. Aussi bien faisait-il sortir de sa bouche, quand il voulait, comme un trésor de discours, tantôt un texte de la loi et des prophètes, tantôt un passage des livres historiques, de l'Évangile ou des écrits apostoliques. Je confesse que j'ai été étonné lorsque j'ai vu cet homme pour la première fois, alors qu'il se tenait au milieu d'une grande assemblée et répétait des portions de l'Écriture divine. Alors que je n'entendais que sa voix, j'ai pensé que selon la coutume, dans les réunions, il lisait. Mais lorsque je me suis approché, et que j'ai perçu ce qu'il faisait, et que j'ai observé tous les autres se tenant autour de lui avec des yeux saints, alors qu'il n'utilisait que les yeux de son esprit, et qu'il parlait pourtant naturellement comme un prophète, et qu'il surpassait de loin ce qui était saint de corps, il m'était impossible de ne pas glorifier Dieu, et de ne pas m'émerveiller. Et il me semblait voir dans ses actes une confirmation évidente, et forte du fait que la vraie virilité ne consiste pas dans l'excellence de l'apparence corporelle, mais dans l'âme et l'intelligence seules. Car lui, avec son corps mutilé, manifestait l'excellence supérieure de la puissance qui était en lui. Mais quant à ceux que nous avons mentionnés plus haut, ils vivaient donc dans le lieu qui leur avait été assigné, et ils accomplissaient ce qui leur était accoutumé, des jeûnes, des prières et le reste de leur exercice. Dieu d'une part, Dieu lui-même les jugea dignes d'obtenir la consommation du salut en leur tendant une main qui exauce. L'ennemi hostile d'autre part n'était plus à même de supporter ceux qui s'armaient dans le plus grand calme contre lui par des prières qu'ils adressaient à Dieu. Il pensa qu'il fallait les tuer et les faire disparaître de la terre comme des géneurs. Et Dieu lui permit d'accomplir cela afin qu'il ne soit pas retenu par la méchanceté qu'il désirait et qu'en même temps il puisse recevoir les prix de leurs multiples combats. C'est pourquoi, sur l'ordre du très maudit Maximin, 39 furent décapités en un seul jour. Ces martyrs furent accomplis en Palestine pendant 8 années entières, et telle fut la persécution contre nous. Elle avait commencé par la destruction des églises, elle continua et grandit par les mesures violentes des princes suivant les temps. Alors les combats de toutes sortes et de toute variété des athlètes de la religion produisirent une innombrable multitude de martyrs en chaque province, dans les contrées qui s'étendent de la Libye à travers toute l'Égypte, la Syrie et le pays d'Orient et d'alentour, jusqu'à celle de l'Illyricum. Ceux en effet qui étaient au-delà des régions citées, toute l'Italie, la Sicile, la Gaule, et tous ceux qui au couchant, en Espagne, Maurétanie et Afrique, ne supportèrent la persécution que pendant un peu moins de 2 années. Ces pays furent jugés dignes d'une très rapide intervention de Dieu et de la paix. La providence céleste épargna la simplicité et la foi de ces hommes-là. Car ce qui n'avait jamais été consigné dans les annales du gouvernement romain s'est produit pour la première fois à notre époque contre toute attente. Car pendant la persécution de notre temps, l'Empire a été divisé en 2 parties. Les frères qui habitaient la partie dont nous venons de parler jouissaient de la paix, mais ceux qui habitaient l'autre partie enduraient des épreuves sans nombre. Mais, lorsque la grâce divine a généreusement et avec beaucoup de compassion manifesté sa sollicitude envers nous aussi, alors vraiment, nos dirigeants, ceux-là même par qui les guerres contre nous avaient été autrefois menées, ont changé d'avis d'une manière merveilleuse et ont publié une rétractation. Et, par des édits favorables et des décrets doux nous concernant, ont éteint le feu qui était allumé contre nous. Cette rétractation doit également être consignée. Fin du livre d'Eusèbe Pamphile concernant ceux qui ont souffert du martyre en Palestine.